Plop les gens, bienvenue pour un nouvel épisode sur Graveyard Keeper. Voilà, c'est la suite de tout à l'heure, j'ai envie de dire, la suite du précédent, où je me suis déjà perdu sur ce que j'étais en train de faire. Si je faisais des bijoux, je faisais des vitraux, voilà. C'était les vitraux, l'objectif du moment. Pour ça, il fallait de l'or, mais il fallait de l'or, des vitres. C'était des pièces de fer complexes aussi. Oh, tiens ça. Où est-ce que mes pièces de fer complexes sont posées? Nulle part, si, ici. Alors on va en prendre 25. Je sais pas du tout combien il m'en faut. Enfin, largement pas autant vu que j'ai pas tous mes bracelets pour le moment. Plus joli, ça se trouve on va pouvoir encore améliorer le cimetière. Il y a quelqu'un qui est venu prier, c'est cool, c'est gentil de sa part. Et vitraux. Donc voilà, c'était 4 verres et 5 pièces de fer complexes. Et je sais même pas tout combien il y a de vitraux qu'on peut mettre. Ça se trouve on peut en mettre qu'un seul et j'ai fait tout ça pour rien. Ouais, parce qu'ici on n'a pas l'air. Enfin, pas avec cette forme-là, même si ils disent que oui. Et donc, un vitrail. Youpi. Ah, je suis content, j'ai mis un vitrail dans toute mon église. Super. Enfin, ma cathédrale, du coup. Super. Ça va être bien, mais en fait, non. Je suis un peu déçu là-dessus. Le marchand, oui, mais... Du coup, les bijoux, on a déjà créé les nôtres. Je vais aller voir le meunier en passant. C'est de 0 à 80. Et commercer. Ah, commercer, il nous a déverrouillé le rang 2. Oui, ça doit être des graines et des feuilles, des fruits de houblon. Je ne sais pas trop ce que c'est. À la limite, pour tout débloquer,
lui acheter des choses, donc normalement il augmente notre sympathie avec lui. Et on lui a fait travailler, transformer du blé en farine. Du coup, il devrait aussi être content là-dessus. Bim, bim. Il devrait nous autoriser à accéder à son niveau 3 de commerce. Alors toi, est-ce que tu as... Oui, tu as des intestins noirs. Alors, c'est peut-être comme ça qu'il faut le penser. Le plus, ça veut dire que ça contient déjà un crâne blanc, et le moins, ça veut dire que... Non, c'est bizarre. J'arrive pas à trouver la logique derrière.
fini. Là c'est bon. Je vais reposer les stèles, les pierres tombales. Thank you.
l'inquisiteur, quoi. C'est le jour de l'inquisiteur et on a plus... Au mieux, on aura le temps de récupérer un cadavre. Et sinon, va falloir attendre la semaine prochaine. En espérant qu'on ait la semaine prochaine un cerveau, c'est ça, noir ? Enfin, on va voir. J'ai oublié que j'étais aussi en train de faire les deux candélabres. Et que c'est pour ça que j'avais pas de place. Dirons-nous. Je peux essayer d'en extraire le jus, voir ce que ça donne. Sinon, je vais juste aller voir l'inquisiteur, voir s'il veut bien une partie des éléments, ce qui est rarement le cas. Donc, intestin, j'ai déjà. Donc là, je pense aller voir l'inquisiteur pour pas grand chose en vrai, mais... Thank you.
Alors déjà, on enlève tout ce qui est noir, parce que pour le moment, c'est intéressant. Ensuite, on enlève le sang et la graisse. Et on regarde. 5, c'est pas beaucoup. Que des caisses de marchandises, on en a plus. On a une 50. Donc il manque une. Commercé, oui, prends-toi ça. Merci, au revoir. Donc il manque une caisse. Et on peut en produire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il faut en produire 13.
Non, j'en ai pas mal. Ouais, j'ai pas mal de dos. Pas besoin d'en faire plus. Alors toi, est-ce qu'on peut te faire faire soit des jolies pierres tombales, soit peut-être que je peux en fabriquer des encore plus belles. C'est pour dans l'église, on est d'accord. Confessionnal 2 et hôtel de pierre. Oui. On peut peut-être faire ça. Candélabre 3, d'accord. J'ai augmenté mes candélabres pour pas grand chose. Ah, 5 c'est bien en plus. Et après on commencerait le marbre. Alors là, les trucs funéraires, là, le columbarium de on va se faire un columbarium de marbre et confessionnal 2 et peut-être hôtel en pierre. De marbre. Il nous faut 4 briques de pierre polie, 2 marbres sculptés et 12 funéraires en porcelaine. Ça me paraît compliqué. Rien qu'à retenir, ça me paraît compliqué. Ah, il est candélabre muraux aussi, du coup. Alors, celui-là, on va attendre, du coup. Ouais, non, là, il y a beaucoup trop de trucs. Donc, on a dit deux pierres polies, deux statues. Oh, c'est tout rouge. Non, quatre marbres polis. Briques de marbre poli, deux statues sculptées, morceaux de marbre sculptés, et 12 urnes en porcelaine. 4 de 12, 4 de 12. Les 12, je sais plus du tout ce que c'était. On va le laisser finir, on va le mettre le deuxième. Oui, si, les urnes, évidemment. De porcelaine, pour ça il faut de la poudre blanche et des cruches en céramique. Parce que je crois. Mais où est-ce qu'on les retransforme?
sert à rien de poser les histoires tout de suite. Où est-ce que c'était? Là. Et là, il faut bien des pichets en porcelaine et des porcelaines et des cendres. Donc là, on va prendre toute la poudre blanche qu'on a, mais je pense qu'on n'en a pas beaucoup. Avec des os. Voilà. Cerveau noir, très bien. Je souhaiterais prononcer quelques mots. Notre église merveilleuse. À présent, prions pour cette bénédiction. De vos dons sont les bienvenus. Super serment, ouais. La foule est en délire. Oui.
pose ça. On pose ça. Il y a 6. Non, c'est le fluidificateur. Non, 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 surtout pas, surtout pas. Je vais faire une bêtise. Je vais faire une bêtise. Non, c'est bien le broyeur, mais pour les os. Les autres stacks de sang et de graisse, du coup, mais comme ça je les ai sur moi. Et le jour où il faut aller voir l'inquisiteur, je suis prêt. Poudre blanche, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça les fait un alpha.
temps, ça prend. Bon, moi j'ai rien dit. Hein. Ça prend pas les stocks depuis ici, c'est nul. C'est dommage.
manque des clous. Pas de la poudre blanche, ça ne va donc pas au même endroit. Je peux toujours les faire réactiver tout de suite. Je vais aller voir le meunier quand même. Je crois que lui aussi il me donne des petits bois et lui il repousse. Vu qu'il est vivant, il est pas mort.
Non, il est pas content. Je peux lui vendre ça en fait. Je m'en fiche. $2,96. Ok. Si commercer. Et je lui revends le tout pour 2,35. C'est pas hyper rentable. Mais bon. C'est fait. Voilà, la musique qui a baissé d'un coup. C'est pas grave. Comme je l'ai dit, je ne suis pas en manque de bûche. J'aille voir. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Il était en train de bien gentiment me pousser le rondin de bois. Mieux que ce que j'arrive moi-même à faire. Plus lentement, mais mieux. Ah oui, je vais pas aller plus vite, je vais plus vite que l'âge. Je suis Hercule. Porte une bûche à main nue et j'en pousse une avec mes pieds. Ça ne me ralentit pas. Ça, on le savait. Alors, ah, il y a deux cadavres. Super, j'en ai totalement oublié un. T'en prends deux corps, tu dégages. Alors, lui, il a pas de partie noire, donc ça va être intéressant à conserver le mieux qu'on peut. Un petit peu d'alcool. Voilà. Mais il n'y a que 4. Donc là, il y a 2 rouges, 4 blancs. Peu, mais on va dire que c'est suffisant. Et on va le dire juste parce que déjà je l'ai décidé, et aussi parce que j'ai des statuettes là de piètre qualité à écouler. Par contre, on va pas faire en sorte de trop devoir, hein. Faut pas exagérer non plus. Donc on dit 5. Là il y a 2 et là il y a 2, là il y a 3. Rip, vieux, rip. Hop. Alors, on va skipper ça en bas. Ah, mais j'ai du miel aussi. J'ai copié. Oui, là du coup il reste 2. Et voilà. Thank you.
conseil de, du jour, c'est si vous avez des opérations d'autopsie à faire, buvez de la bière. Ça vous donnera l'énergie nécessaire à faire vos autopsies. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est le jeu. Hein. Je note juste ce que le jeu m'apprend. Serpent. Serpent, c'est un gars bien, ce serait bien d'aller le voir. Et bien, excusez-moi. Zut, excusez-moi, j'ai rien dit. Zut! Il lui faut un cœur noir. Juste une seconde, attendez, je dois regrouper mes partisans.
Combien de temps dois-je attendre? Et Jerry qui sort. Zard, au moins une heure, peut-être deux. Jerry, c'est vous? Quelle question stupide! Bien sûr que c'est moi. Je raterai cette cérémonie pour rien au monde. Ça s'annonce hilarant. Savez-vous ce que Serpent va invoquer? Sard, que oui. En fait, en tant que sa voix intérieure, je sais qui il aimerait invoquer. Mais j'ai une autre idée de qui il va réellement réussir à invoquer. Et je suis impatient de voir ça. Alors, attendons. Avec la petite cloche du cadavre qui est arrivé, en espérant qu'il a un cœur noir d'ailleurs. Aujourd'hui est le jour. Aujourd'hui, j'aurai ce que j'ai toujours voulu, ma vie entière. Je les maudis tous, toute ma colère, je les sacrifie pour toi. Apparaît devant nous, je t'en conjure. Père. Quoi? Cinq gardes en faction ici. Quatre autres, allez. Sard, c'est génial. Ou quoi? De la magie noire. Maintenant que je vois que c'est toi, je me souviens de ton visage. C'est mort. Tu es une créature des ténèbres. Il a brûlé avec sa mère. La maison sur la colline aux sorcières. Mère m'a jeté par la fenêtre juste avant que les poutres ne s'écroulent. Tu m'avais tressé un petit cheval avec du lierre. Je l'avais appelé Flamme. Fils, est-ce toi, Seth? Je suis ton père. Monseigneur, nous voilà. Vous avez disparu. Attrapez-les, les gars. Non, arrêtez. Laissez-les partir. Non, retournez au quartier général. Non. Mais. Non. Faites-le. Non. Fils, c'est comme un rêve. Pouvons-nous y aller aussi? Bien sûr, allez-y. Juste, ne gâchez pas ce moment. Ouais, je ferais mieux d'y aller aussi. Attendez, il semblerait que mon rituel fût un succès après tout. Tenez, mon carnet d'infini est à vous. J'espère qu'il vous aidera à retrouver votre amour. Merci. Prenez mon charmant ardent. Ardent éternel. Je ne pense plus vouloir brûler quiconque. Merci, monseigneur. Appelez-moi juste Edouard. Qu'allons-nous faire des gardes? Ils nous ont vus. Nous devons retourner à la ville d'abord. Quel rebondissement, mais ce vieux Jerry le savait. Yorick a perdu le pari. Et je ne suis pas plus près de celle que j'ai. Ben si. Est-ce que ça va marcher si je vais là-bas tout de suite avec...
tout, ou est-ce qu'il faut que lui il ait un cœur noir et que il n'en a pas. Je vais aller récupérer tout ce qu'il me faut pour aller à la colline aux sorcières et je vais essayer de m'échapper. Ou alors j'attends la nuit. Parce que là c'est le jour de l'homme, donc c'est le jour de l'inquisiteur. Est-ce que j'attends la journée ou est-ce que j'y vais de nuit? Sachant que j'ai pas fait toute la quête de l'inquisiteur du coup. Celle que j'aime. Je suis vraiment triste maintenant. Vous allez me manquer. Vous aussi. C'est triste. Ah, ça me revient. Ce portail ne sert pas qu'à voyager. Il peut réaliser les rêves les plus secrets. On dirait que mon souhait n'a pas fonctionné. Salut l'ami. Nous sommes venus vous dire au revoir. De toute façon, ça ne marche pas. Comment savez-vous? Eh bien, nous avons été bannis de la ville. Deux frères, un à la cour royale, l'autre un au clair. Ce genre de choses peut paraître suspect dans le conseil royal. Nous sommes allés à la taverne et alors Lawrence a senti que c'est dans ses tripes que vous étiez là. Mais j'ai réussi à excommunier la ville avant de partir.
La seule église officielle est l'église sous le cimetière, à présent. Vous pouvez garder l'église et le jardin, si vous voulez. Les symboles commencent à briller. Dita, Harvard. Nous sommes échappés de justesse de la ville. Le seigneur commandant a utilisé toute son influence pour nous calomnier. Pour être honnête, ce n'était pas difficile de trouver quelque chose à nous reprocher. La ville est sans dessus dessous ces jours-ci. Les morts se relèvent. Le seigneur inquisiteur est accusé d'être le chef d'un culte noir. C'est une terrible époque. L'évêque a excommunié la ville. Ils l'ont bien cherché. Nous allons nous cacher dans le phare pendant un temps. Peut-être serons-nous capables de contacter Wagner d'une façon ou d'une autre. Je vous ai dit, je constate que vous souhaitez nous quitter, mon ami. Oui, monseigneur. Cela est mauvais, très mauvais. La malédiction ne fait que prendre de l'ampleur. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Il est peut-être trop tard. Je devrais être content, mais je ne le suis pas. Nous allons nous installer ici et reconstruire notre vieille maison. Cet endroit est sacré et protégé de la malédiction. Mais quand même, nous allons être face à un temps merveilleux. Tout va changer. Je prierai pour votre sécurité. Ça marche, enfin, mon souhait s'est réalisé. Je serai avec mon amour. Mon cœur. Mon amour. Oh, un cœur pixelisé. Attendez, une minute, c'est tout? Où est l'apocalypse de zombies, l'invasion du Nord? Voyager sur un bateau avec le marchand purée et la ville, personne ne nous a jamais montré la ville. Je suis déçu. Bah, c'était qu'une bande de cochons capitalistes avides. Avec tout ça, ils vont nous sortir une tonne de DLC pour s'en mettre encore plus plein les poches. Vous avez raison, camarade, allons prendre une bière. Ça serait un martini carotte pour moi. Martini carotte, ouais, ça me donne pas envie ça. Nous avons fini Graveyard Keeper. Il en restait vraiment pas beaucoup. Alors Tiny Build, je les connais bien, les Ibirs, c'est donc ceux que je le rappelle qui ont déjà fait Punch Club, c'est ça le nom du jeu. Tiny Build, ils éditent beaucoup de jeux. Et du coup, il y a pas mal, il y a quelques noms là que je reconnais. Alex Nishi. De Tiny Build, justement, si je me trompe pas, en tout cas, il y a quelques noms comme ça qui si je me trompe pas, je les reconnais. Excusez-moi, translation French Words of Magic. Et bah, il y a des trucs qui sont pas géniaux, hein, mais on voit ce que c'est qu'un jeu indépendant. Les crédits tiennent sur une page, traduction inclus. Je laisse défiler même s'il n'y a plus grand chose. Ok, si ça retourne en boucle par contre. Et voilà. Du coup. 384
1,7 jours. Donc on a passé plus d'un an dans le jeu. Bon, c'est du temps in-game, évidemment. D'ailleurs, j'ai pas sauvegardé juste avant, j'espère que ça va sauvegarder, parce que sinon j'ai perdu genre une énorme journée du jeu où tout s'est passé, où je me suis pas couché juste avant. Bref, tant pis. Ah non. Attendez. J'étais en train de me dire que les gardes étaient en train d'arriver parce que. Dans la cinématique de fin, parce que. On arrivait au jour de l'évêque, de l'inquisiteur, et du coup, ben, les gardes arrivent, jour habituel, quoi. Mais on était encore de nuit, donc soit il y a un truc qui a bloqué le temps niveau lumineux, ou peut-être que ils étaient déjà partis, je sais pas. Bref. En tout cas, on peut peut-être la relancer juste pour voir. Je suis content d'avoir fini le jeu. Je ne pense pas reprendre, fignoler ce que je n'ai pas fait, tout ça. Je pense pas. Ok. Maintenant, le jeu est une cinématique. Très bien. J'ai tout sur moi, donc c'est avant d'aller voir Serpent. Ouais, Serpent qui me demande toujours le cœur noir et l'inquisiteur. Les trois organes, donc à la limite je pourrais voir ce que ça fait de donner tous les organes à l'inquisiteur et après de donner un cœur à Serpent. Il y a pas mal de décorations qu'on n'a pas fait aussi dans l'église et le cimetière. Voilà, du coup, j'ai quand même une grosse journée à refaire et j'ai déjà bien joué au jeu pour le moment, je sais pas du tout si je le reprendrai comme j'ai dit. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Voilà. J'espère que ça vous aura plu de me regarder jouer à Graveyard Keeper. J'espère que vous continuerez à me regarder sur d'autres jeux, parce que je ne suis pas mono-jeu, je ne stream et fais pas des vidéos que sur ce jeu, puisqu'en plus je l'ai fini, donc voilà. Je ne vais pas faire de speedrun dessus, c'est pas trop mon genre de faire du speedrun. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous apprécierez la suite avec moi. Et du coup, je pense que je peux vous dire... à bientôt !